Business English. Adressez-vous au siège. On peut aussi dire, adressez-vous au siège social. Please, apply to the head office. Apply to the head office. Adressez-vous au siège social pour tout problème. All right? For any kind of problem, apply to head office. Les frais généraux, the overhead, overheads. Large companies have bigger overhead expenses. Les grandes entreprises ont des frais généraux élevés, des dépenses de frais généraux très élevées. All right. La vente par correspondance. Mail, order, business. Mail, order, business. Vente par correspondance. VPC. Le vendeur et l'acheteur ne se rencontrent pas. Tout se fait à distance. Que ce soit le paiement ou l'échange de la marchandise. Attaquer de nouveaux marchés. To tap new markets. To tap new markets. Avancer une livraison. Bring forward. To bring forward. Ici, la livraison, c'est delivery. Alright, delivery. So bring forward veut dire avancer la date de livraison au fait. Donc, avancer une livraison, c'est to bring forward the date of delivery. Or, bring forward the delivery. Un stage, an internship. An internship. On peut aussi dire souvent a training period. Et si nous avons une petite inversion, j'ai mis en anglais et ici en français. Normalement, on dit CAO. Alright, signifie conception assistée par ordinateur. CAD. Alright, CAD means here computer assisted design. Donc ici, à la place de aided, on peut mettre aussi assisted. Oui, assisted. Mais n'oubliez pas, les deux peuvent être utilisés, mais pas en même temps. Ça, c'est assisted ou aided. Computer, aided design, conception, assisté par ordinateur. Nouveau marché, donc le nouveau marché, le nouveau débouché, on peut aussi dire. New outlet, all right, the new outlet, we're looking for new outlets. Ça veut dire nous recherchons de nouveaux débouchés. Outlet, débouché. Arrêter progressivement la production. Arrêter progressivement la production. To phase out production. Dans phase out, c'est progressivement. Oui, phase out. Mettre en route progressivement, on peut dire phase in production. All right. The right number. Le bon numéro. It's not the right number. Ce n'est pas le bon numéro. Nous espérons avoir prochainement des nouvelles. Nous espérons. Donc ici, we are looking forward. Cette expression est figée. We're looking forward to hearing from you. Donc ici, le tout est accompagné d'un verbe avec la forme ing. We're looking forward to hearing from you. Nous espérons avoir prochainement de vos nouvelles. Ou bien, on peut aussi dire, nous attendons impatiemment vos nouvelles. Donc, to look forward, c'est être impatient d'avoir quelque chose. Si vous aimez ces petites vidéos du Business English, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo. Et surtout, mettre à jour votre anglais économique, anglais professionnel, anglais commercial et tout ce qui va avec. All right? Et surtout, n'oubliez pas, likez pour montrer que vous aimez cette vidéo.
et surtout m'encourager à vous donner de plus en plus de contenu en business English. C'est parti pour la suite. Here we go. To comply with regulations. If you comply with regulations, all right, comply, c'est se conformer ici au règlement. With regulation. If you want to work in our organization, in our companies, you must comply with the regulations, with our regulations. Si vous voulez travailler dans notre organisation, si vous voulez travailler dans notre entreprise, vous devez vous conformer à nos règlements, aux règlements en vigueur. To book an order, to book an order. Ici, tout simplement, enregistrer une commande. On peut aussi dire réserver une commande. Vous voyez, book an order. Order, c'est la commande. Pie chart. A pie chart, c'est tout simplement un graphique en camembert. En camembert. All right. The law of supply and the demand. La loi de l'offre et de la demande. All right. It's the law of supply and demand. C'est la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a des offres, et plus le prix va baisser. Plus il y a des demandes, et plus le prix va augmenter. Résultat, lorsqu'il y a plus d'offres sur le marché, lorsqu'il n'y a pas de monopole sur le marché, il y a beaucoup, beaucoup d'offres. Et s'il y a beaucoup d'offres diverses, c'est au profit du client. Donc, le client profite de la baisse des prix. Cependant, si la demande est trop élevée parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres ou tout simplement parce qu'il y a une entreprise qui détient le monopole, les prix vont augmenter. All right? C'est tout simplement simple. C'est ça la loi de l'offre et de la demande. The law of supply and demand. To hit an all-time low. Atteindre son niveau le plus bas. The price hits an all-time low. Les prix ont atteint le niveau le plus bas. Seasonally adjusted. Corriger des variations saisonnières. Right. Seasonally adjusted. Shoplifter. Voleur à l'étalage. Pay attention to the shoplifter. Fais attention au voleur à l'étalage. A sharp drop. Une forte baisse. Right. We experienced a sharp drop this year. Nous avons eu une forte baisse cette année. Ouais. Electrical appliances. Des appareils électriques. All right. We use more and more electrical appliances. Nous utilisons de plus en plus d'appareils électriques. A drop in consumer demand. Une baisse de la demande consommateur ou une demande, une baisse de la demande en consommation, tout simplement. So, a drop in consumer demand. We experience a drop in consumer demand this year. Nous sommes confrontés à une baisse de la demande consommateur cette année. OK. Nous faisons face. Nous sommes confrontés à. How do you do? Enchanté. How do you do? Enchanté. On peut aussi dire pleased to meet you. Ou nice to meet you. Meet my assistant. Je vous présente mon assistant. John, please. Meet my assistant. John, je vous présente mon assistant. A faulty article. Faulty signifie défectueux.
endommagé. Faulty article, un article défectueux. Nous allons dans ce chapitre ici reviser rapidement le vocabulaire précédent du business English, le vocabulaire du business English précédent, pardon. Un peu fatigué? Don't worry, on va y arriver. Une grande variété, on peut aussi dire a wide range. On peut aussi dire une grande gamme. Ok? Gamme ici. Gamme de produits. Range of product. All right? Donc, une grande gamme de variétés de produits. A wide range of product. Of product. Comme ça. Un double exemplaire. In duplicate. All right? Send me this article in duplicate. À crédit. On credit. Le solde à la livraison, the balance on delivery. Et donc, ça veut dire que vous avez déjà donné 50% et les autres 50% qui restent seront donnés à la livraison. Verser des arts, c'est-à-dire des acomptes. Make a deposit ou leave a cash. Deposit. Les arts, ce sont des acomptes. L'argent que vous donnez par avance lors de la signature du contrat ou de la négociation. Veuillez trouver ci-joint, please find enclosed. Cette expression peut varier si on vous dit aussi please find here with. All right? Please find here with. Please find enclosed. Ou on peut aussi dire attached. All right? Find attached. Être saisi d'une fièvre d'achat, go on buying spree. To go on buying spree, all right. To place an order, tout simplement passer commande. With someone, à quelqu'un, all right. The client can place an order with their supplier. Donc le client peut passer commande au fournisseur. Règlement à la livraison, cash on delivery. Cash on delivery. Dès que je livre la marchandise, tu payes. Cash on delivery. Venir à échéance. To fall due. Fall due. All right. Cette commande arrive à échéance. Ou bien la facture ou le règlement. Tout ça, ça signifie to fall due. Un chèque sans provision. Et dod. Check. Check, c'est chèque. Sans provision, on peut aussi dire bad. A bad check. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner. Abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucun business English, and so on, et ainsi de suite. Please subscribe. Alright? Thank you for your attention and your contribution. Merci pour votre attention et votre contribution. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.